infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Nazo Zoyo, quelle est la situation concernant M. Muyambo, honorable Emery Okundji? Eh bien, M. Muyambo a vu aux environs de 4 heures du matin les hommes armés grimper, escalader sa parcelle pour l'arrêter. Et ils l'ont arrêté et ils l'ont amené vers l'ex-UDB, et de là, on est venu avec lui vers 3Z en face de la primature. De là aussi, on l'a transféré au parquet général de la République, et là, on leur a dit, non pas ici, amenez-les au parquet de grande instance de Kinshasa. Lorsque nous sommes allés vers midi 30, les rendre visite, j'étais accompagné de l'honorable Martin Fayoulou et de l'honorable Paul Adrien. Le président Vital Kamerhe nous a trouvés là-bas. Eh bien, on nous dira qu'on va les transférer à Makala. Effectivement, vers 15h quelque chose, il est déjà transféré à Makala. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche d'une infraction de spéléonat. Qu'ils ont un dossier, à mon avis, c'est un dossier fomenté de toutes pièces, juste pour le nuire, pour le mettre la main sur lui. Ce qu'ils ont dit en 2006, le pays sera détruit. C'était la même chose. Il n'y aura plus rien. 2011, il y aura la guerre partout. Il faut évacuer tout le monde. Et il n'y avait rien du tout. Ils sont en train de faire une loi pour que Kabila reste au pouvoir éternellement. Au mépris des lois. Et nous le levons comme un seul homme. Tout individu ou groupe d'individus qui reste au pouvoir, pas de modulatoire, il faut lutter contre ça. Et voilà ce que j'ai fait. Les menus. Le peuple congolais est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Ce président. Il faut qu'il parte et il partira. Congolais, et ça, tant qu'il y a connu la nécessité, et comme il y a connu papa.